elles n'ont pas pu résister à l'appel de la bataille de boules de neige. À Mossack, pas de pitié entre frangines, mais bientôt la réconciliation autour d'une sculpture. On va l'appeler le Mont Blanc. Un peu plus loin, sous le regard de ses parents, Clara fixe le nez de son bonhomme de neige. Je retombe en jeunesse aussi. C'est le premier qu'elle faisait ? Non, c'était pas le premier. Mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de neige comme ça, donc on n'avait pas fait depuis longtemps, donc elle était contente de vouloir en faire un. À toute vitesse, c'est la première descente de Charles, 2 ans et demi. Ah oui, on reviendra parce qu'il faut venir donner à manger à Bob, le petit bonhomme de neige. Sous ces airs de Laponie, la petite station de ski de Bonnefonds est d'une tranquillité presque imperturbable. C'était sans compter sur ces Limougeaux. Venus pour du ski de fond, ils ne peuvent pas cacher leur déception. La station est restée fermée. Il y a des branches en plein milieu, c'est pas damé, donc on peut rien faire. Hein. À part des raquettes, mais bon, on n'était pas venus pour ça à l'origine. L'association qui gère la station a fait le choix de ne pas ouvrir en raison du coronavirus. Dans ce local exigu, impossible de faire respecter les gestes barrières. Les premiers déçus sont nous-mêmes, parce que quand on voit les hauteurs de neige qu'on a, on a eu fait des années où on guettait la météo et les radoucissements. Quoi, voilà. Seule alternative pour cette famille venue spécialement de Charente, la marche à pied. Un grand bol d'air frais à travers la forêt, leur façon à eux de bien terminer l'année 2020.